Voici le guide complet des défis Code des Pirates règle 6 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de vaincre un personnage en duel avec un pistolet ou une arme de mêlée. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver soit un pistolet, voilà, comme ceci hein, par exemple, ou alors vous allez devoir l'éliminer avec votre pioche. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Moi, je vous conseille quand même d'utiliser le pistolet, ce sera plus simple. Et ensuite, vous allez devoir trouver un personnage que vous allez pouvoir provoquer en duel. Donc là, justement, ici à Grimgate, vous avez un personnage qui s'appelle Cerber, que vous allez pouvoir provoquer en duel. Donc là, vous le défiez. Voilà. Quand le combat commence, bah, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser n'importe quelle arme. Hein. Donc il est où lui ? Vous utilisez n'importe quelle arme hein, pour l'affaiblir, pour lui laisser par exemple 10 HP. Et voilà, quand il reste plus ou moins 10 HP, soit vous le finissez à la pioche, ou soit vous utilisez un pistolet pour l'éliminer. Et dès que vous aurez fait ça, bah, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de battre un boss. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez 3 solutions. Parce qu'il y a au total 3 boss. Donc regardez, il y a un boss qui se trouve à Nitrodrome. Ensuite, il y a un boss qui se trouve à Brutal Beach Head. Donc là, pour l'instant, il n'y est pas. Et il y a un boss qui se trouve à Redline Rig. Donc là, les deux boss, ils n'y sont pas parce que tout simplement, ils sont en train de voyager dans la map avec le bus de guerre. Donc là, vous pouvez voir qu'il est en train de voyager ici. Et il y en a un autre qui est en train de voyager juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près de l'un de ces 3 boss. Et ensuite de l'éliminer. Donc là, si vous allez sur le boss de Nitrodrome, vous allez devoir attendre que le compteur affiche 0. Donc c'est plus ou moins 2 minutes. Et ensuite, là, normalement, le boss devrait être apparu quelque part ici hein, sur l'estrade. Ok, parfait, il vient de se montrer. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous lui tirez dessus hein, et vous l'éliminez. Et voilà, dès que vous aurez réussi à l'éliminer, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de détruire les 9 fausses pièces de 8 sur l'île. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Pleasant Piazza, donc juste ici sur le gameplay. Et là, vous allez aller au même emplacement que moi. Donc regardez, juste ici dans cette petite ruelle, sombre, vous avez un objet qui se trouve juste ici. Ça, vous allez devoir le détruire. Ensuite, vous passez par ici, par le même chemin que moi. Vous arrivez sur la place du marché, on va dire. Et là, vous avez une autre pièce que vous allez devoir détruire. Ensuite, vous allez sur votre gauche. Là, vous remontez et vous allez à l'arrêt de bus. Et juste ici, vous avez une troisième pièce que vous allez devoir détruire. Donc, je ne peux pas vous les montrer en jeu parce que comme je fais mes vidéos en avance, ben les pièces ne sont pas encore disponibles. Donc, je suis obligé de vous les montrer comme ça. Alors, les 3 autres pièces, donc il y a un total de 9 pièces. Les 3 autres pièces, elles se trouvent à la Vichelaire, donc vers le grand bâtiment là-bas qui est en face de moi. Et là, il y a une pièce qui se trouve juste ici, à côté du portail. Donc regardez, elle est là. Voilà, c'est un petit chat. Ensuite, vous détruisez cette pièce, vous vous retournez. Là, vous allez dans le bâtiment qui est tout à gauche, juste ici. Et là, vous avez une autre pièce que vous allez devoir détruire. Et ensuite, là, devant le bâtiment principal, juste ici à gauche au coin, vous avez une autre pièce que vous allez devoir détruire. Ensuite, quand vous avez détruit ces 3 pièces-là, vous allez devoir vous rendre au Grand Glacier, donc le bâtiment qui est juste là-bas. Et je vais vous montrer où sont les emplacements. Alors, quand vous arrivez au Grand Glacier, donc par ici, hein, par le jardin, juste ici, au pied du cerf, vous avez déjà un objet que vous allez devoir détruire. Ensuite, il y a un autre objet qui se trouve dans le labyrinthe. Donc, quand vous entrez dans le labyrinthe, c'est tout à gauche. Moi, ce que je vous conseille, c'est de casser la barrière qui est juste ici. Hein. Et regardez, bam, vous avez l'objet qui se trouve juste là. Et pour finir, le dernier objet se trouve tout à l'arrière du bâtiment. Enfin, sur le côté droite du bâtiment, en face de l'arrêt de bus. Donc, vous pouvez le voir là. Donc, juste ici, vous avez la petite banane que vous allez devoir détruire. Et quand vous aurez détruit les 9 objets, bah là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir une couronne de victoire sur un joueur éliminé. Donc là, ce défi est assez compliqué parce que ben, des joueurs qui ont une couronne de victoire, il n'y en a pas énormément. Mais vous allez devoir réussir à en trouver un, ensuite de l'éliminer. Et là, vous allez devoir récupérer sa couronne de victoire. Dès que vous aurez fait ça, ben là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de détruire des barils de bleuvage, de slap ou de nitro. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à Shadow, à cet emplacement-là bien précis,
vous avez carrément 10 barils de bleuage. Vous avez juste à tous les détruire, voilà, comme ceci. Après, vous pouvez peut-être mettre une construction qui les détruira tous, hein. C'est possible que ça fonctionne aussi. N'hésitez pas à essayer. Mais là, il y avait un total de 10 barils de bleuage par terre. Donc, quand vous les aurez tous cassés, là, vous aurez terminé le défi. Après, il y en a plein d'autres, hein. Par exemple, dans ce bâtiment-là, il y a 3 barils de bleuage, que je vais vous montrer tout de suite. Et là aussi, ben, ça vous aidera à faire votre défi si maintenant d'autres joueurs ont cassé les autres. Mais voilà, principalement pour terminer le défi, vous avez juste à en casser 10. Donc si vous êtes le premier à aller à l'emplacement que je vous ai montré, normalement vous allez pouvoir réaliser votre défi super facilement et du premier coup. Code créateur SCF.